On va parler un peu de Sola. C'est une présentation assez différente en fait. Vous allez voir, il y a du moteur de recherche, mais il y a aussi d'autres choses, hein, surtout du non-SQL. Juste pour me présenter rapidement, Lucien Précoupe, je suis informaticien. Pourquoi pas fier d'être développeur comme la plupart d'entre vous ici, parce que tout simplement ça m'arrive d'installer des imprimantes sur Windows 7 comme mon cousin me demande, donc j'ai pas de souci avec ça, donc je vais pas lui sortir tu sais, je suis développeur, moi je développe des API d'entreprise, ton imprimante hein. Nous sommes, avec ma société, nous sommes partenaires Elasticsearch. Donc là, vous vous demandez, mais pourquoi une présentation sur Solar de la part d'un partenaire intégrateur Elasticsearch? Tout simplement parce que David, il est tellement présent à tous les JAG, tous les meet-ups, BBL, conférences et autres, que finalement... Me fait remarquer pour Solar. Ok, non, plus sérieusement, en fait, je suis indépendant et le fait d'être indépendant, le fait de connaître aussi Solar et pas seulement Elasticsearch, tout en étant partenaire Elasticsearch, c'est un atout pour moi. Ça me permet de faire des études comparatives, de donner des avis un peu indépendants. Lors des différents choix. Et vous allez voir que Solar et Elasticsearch ne sont pas si loin. Ok, Solar c'est basé sur Lucene, tout comme Elasticsearch. Et c'est un produit de la fondation Apache, pas comme Elasticsearch. Elasticsearch c'est sous licence Apache, mais le code d'Elasticsearch appartient à la société Elasticsearch et à Shay Banon, son créateur. La différence de Solar est que le code de Solar appartient à la fondation Apache. Donc si demain Oracle rachète Elasticsearch, ce qui peut arriver, et il décide que Elasticsearch n'est plus open source, il y aura forcément des forks, mais des forks sans l'équipe, ça va pas fonctionner. Ça risque pas d'arriver avec Solar parce que ça appartient à la fondation Apache. C'est aussi supporté par une entreprise qui s'appelle Lucidworks, hein, qui développe un produit basé sur cela. Et contrairement à ce que vous pouvez le croire, ce n'est pas forcément un concurrent à Elasticsearch. Et nous allons le voir. J'avais juste préparé deux copies d'écran comme ça pour votre amusement. Si on regarde qui a fait l'annonce de Solar 4.6, Solar 4.3, donc deux des six dernières grandes releases de Solar, c'est Simon Villenauer, qui est en fait un des fondateurs de Elasticsearch. Comme moi. Et puis si je rajoute Adrien Grand, qui est juste là, on a aussi Solar 4.5 qui était réalisé par Adrien. Donc voilà. C'est Elasticsearch qui fait la release de Solar dernièrement. Pas forcément un concurrent. Solar, c'est un moteur de recherche qui fait très bien tout ce qui est recherche full text, recherche avec facettes, des statistiques sur les données, recherche géospatiale. J'espère que j'ai bien traduit. Mais avec Solar 4, dernièrement, ça fait de plus en plus autre chose que moteur de recherche. Ça fait de l'analyse de données. Vous avez vu un peu avec Ibana, c'est un peu le même esprit. Ça peut faire entrepôt clé valeur, Key Value Data Store. Ça fait base de données, donc vous pouvez l'utiliser comme base de données. C'est ce que nous allons voir un peu plus en détail. Autant qu'on peut en 30 minutes. Et puis, ça fait aussi outil d'exploration pour les données en général et aussi pour des grosses volumétries de données parce que c'est distribué également.
Donc, quand je parle de tout ça, en fait, j'arrive à des fonctionnalités NoSQL. Maintenant, qu'est-ce que NoSQL en général, au départ, NoSQL, c'était juste un hashtag Twitter. Donc, c'était des gens qui se rencontraient, qui se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va mettre comme hashtag pour qu'on puisse se reconnaître. Donc, c'était juste un hashtag Twitter. Et ensuite, il y a eu tout un mouvement qui s'est créé, et puis beaucoup de gens qui ont rejoint le mouvement, comme par exemple Neo4j, qui, voilà, c'est une base NoSQL, mais parce qu'ils ont saisi l'opportunité marketing d'y aller. Ils ont dit, ouais, nous aussi, on est NoSQL. Voilà, c'est une base orientée graph, hein, tout simplement. Mais bon. Avec tout le base qui s'est créé il y a quelques années autour, on a pu extraire en fait des propriétés qui sont communes à toutes ces bases NoSQL. Donc ce sont des bases non traditionnelles, ne sont pas forcément construites autour du SQL, sont distribuées par définition, c'est une architecture en fait qui est résistante aux pannes, il n'y a pas de master, slave, en tout cas pas visible pour l'utilisateur. Techniquement, il faut qu'il y ait un master, il faut qu'il y ait des slaves, mais pour l'utilisateur, en fait, toute cette cuisine interne est transparente. Donc c'est le modèle distribué sans master attitré et sans master géré de manière manuelle. Et puis, donc, c'est un modèle allégé aussi qui permet la scalabilité horizontale. Donc ça, c'est très important parce que en fait, pour supporter ça, ils sont obligés donc, de laisser de côté quelques contraintes qu'une base relationnelle a. En fait. Donc, on n'a jamais... En fait, il faut faire des compromis, donc on laisse de côté certaines choses. Comment ça se traduit ça pour un moteur de recherche comme Solr, en fait, donc, je prends tous ces principes NoSQL et je dis Solr Cloud, Solr 4, c'est une base de données NoSQL. Alors, parce qu'il y a une indexation et recherche distribuée, on est en near real time, donc je ne dis pas real time parce que ce n'est pas vrai, donc il y a un délai, donc comme c'était une seconde pour Elasticsearch, c'est configurable. Pour Solr, c'est pareil, c'est configurable. Donc dans mes exemples, je pense que je l'ai mis un peu plus pour qu'on voit ce qui se passe en fait avec ce délai. Optimistic locking, donc c'est quelque chose qui est spécifique à ces bases en fait, donc ils se sont dit on laisse de côté toutes les contraintes d'intégrité que les bases de données relationnelles ont et puis on est un peu plus optimiste dans le lock qu'on fait sur les objets lorsqu'on les lit, lorsqu'on les met à jour. Et du coup, voilà, donc ça nous permet d'être plus scalable, ça nous permet d'être plus performant. Donc on va voir comment ça se traduit chez Solr aussi. Durable updates, donc ça c'est en fait quelque chose qui... Ça rejoint un peu un truc qui s'appelle eventually consistent, qui veut dire consistant à un moment donné. On envoie quelque chose à la base. La base nous garantit que ça va être répliqué à un moment donné partout, mais on ne sait pas quand. HA sans POF, donc c'est fait exprès en anglais. Voilà, donc HA c'est en fait High Availability sans Single Point of Failure. Voilà, donc, vous voyez ce que ça veut dire. Et donc le Near Real Time Search. À la seconde près ou à ce qu'on configure près. Et puis, option schemaless qui, en fait, donc c'est une caractéristique des bases de données NoSQL. Il n'y a pas de schéma, on peut envoyer des documents JSON à volonté et ça se passe bien. Sachant que maintenant, ils appellent ça plutôt schema free que schemaless parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, ce n'est pas forcément un atout de ne pas avoir de schema. Donc, ils se disent schema free, il n'y en a pas. Si vous voulez en avoir une, vous pouvez en mettre. Ok, donc Solr 4, beaucoup de fonctionnalités NoSQL, beaucoup d'améliorations au niveau Lucene, au niveau... ouais, je sens qu'il y a un peu de bruit. Au niveau Lucene, au niveau de la performance, autant à l'écriture qu'à la lecture. Donc en fait, c'est une version de rupture, hein, disruptive, hein, si je prends des choses qui sont à la mode maintenant. Voilà, mais c'était une rupture il y a quelques années déjà. Et voilà, je vais passer à la démo. Donc,
C'est relativement simple à utiliser, hein. Pas aussi simple que Elasticsearch, mais il y a des efforts qui ont été faits dans cette partie-là, utilisabilité. Je peux démarrer très simplement un serveur en mode standalone, juste java-jar, start.jar, ça démarre. Je peux le déployer dans un app server, donc en tant que web app, c'était quelque chose qui plaisait aux admins il y a quelques années. Maintenant, on est plus si réticent à déployer une application, une base NoSQL si elle ne se déploie pas sous JBoss. Hein, donc, c'était un atout il y a quelques temps, mais maintenant, c'est... Et puis, on peut démarrer sur la cloud, donc en fait, en mode distribué. Et pour cela, c'est Zookeeper qui va nous aider. Donc comment ça se passe en fait? C'est Zookeeper qui assure en fait ce fameux achat sans POF. Donc je vais démarrer déjà. Donc on démarre en fait Zookeeper, c'est un produit qui est à part. Mais pour faciliter un peu les prototypes et le démarrage, Solar ont livré une version de Zookeeper. Donc on peut démarrer Zookeeper avec Solar. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais démarrer un serveur. Okay. Là, c'est le seul écran noir que j'ai, donc vous voyez, non, tu peux laisser allumer, hein. C'est pas très important en fait. C'est le seul que j'ai laissé en noir parce que s'il y a des erreurs comme ça, vous les voyez pas. Ok, donc je démarre mon Zookeeper en fait, qui va démarrer. En passant, je vais vous montrer en fait l'interface qui est nouvelle aussi dans Solar 4, hein, d'admin de Solar. Et vous allez voir que en fait, comme j'ai précisé que j'ai besoin de deux charts pour mon index, toute requête que je vais essayer de lancer à ce cluster ne va pas aboutir parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de ressources. Il est en attente du deuxième serveur. Donc là, j'ai mon premier nœud qui a démarré, qui est là. Il est vert, mais bon, là il apparaît un peu noir. Si j'essaie de lancer une requête, bon, je vais essayer de le faire ici. Voilà, je fais une requête, en fait j'ai une erreur, un code 503 pour me dire, bon voilà, mon cluster n'est pas tout à fait net, donc il faut que je démarre un deuxième. Donc celui-là, je pense que vous le voyez bien. Donc il démarre, on va voir dans l'interface d'admin ce que ça donne, donc il va être à un moment donné vu par l'autre serveur. Donc là il est un peu orange parce qu'il est en train de démarrer. Et puis à un moment donné, il va devenir vert, et à partir de là, voilà, il est vert. Je peux lancer une requête qui me renvoie un 200 OK avec 0 réponse parce que j'ai rien pour l'instant dans mon cluster. Donc où j'en suis maintenant? Je suis là, j'ai un Zookeeper qui a démarré, j'ai deux serveurs Solar avec deux shards, donc un qui héberge un shard et le deuxième qui héberge l'autre shard. Je vais démarrer les nœuds 3 et 4 pour faire une réplica de ces deux shards, donc pour avoir en fait de la high availability. Ok, donc ça c'est mon troisième serveur qui démarre, et je vais démarrer aussi le quatrième. Et puis on va juste les attendre un peu ici dans l'interface d'admin, voir un peu comment ils se mettent à jour. Voilà, là j'ai des couleurs, hein, ça se voit pas très bien, donc des couleurs et des codes, hein, donc le noir, le point noir c'est le leader, le point vert c'est que c'est un shard qui est actif, puis si c'est orange il est en train de démarrer, et puis s'il est jaune il est en train de se synchroniser avec les autres. Ok, donc là j'ai un cluster en fait qui est formé de deux nœuds leader et puis deux nœuds actif, donc c'est le réplica. Bien. Donc, j'arrive à cette configuration-là qui est en bas, et juste pour vérifier que vous me suivez, je dis HA sans SPOF. Il y a un SPOF ici en fait. Donc, c'est une question quiz pour un flyer qui vous donne droit à une place à DevOps. Voilà, exactement. Donc j'ai démarré un seul nœud Zookeeper. Donc en fait, mon SPOF, c'est Zookeeper. Donc si j'arrête
le Solar qui est en bas de Zookeeper, bah, en fait tout mon cluster tombe. Donc je suis pas vraiment sans spoff. J'ai du high availability hein, parce que là j'ai l'index qui est répliqué, qui est partitionné, etc. Donc la vraie, enfin la bonne architecture dans ce cas-là serait un truc de ce type-là en fait. Donc j'ai mes 4 nœuds Solar et mon Zookeeper qui est à côté. Et je démarre plusieurs instances Zookeeper en fait pour assurer que tout se passe bien si je perds un nœud. Et puis en passant, donc Zookeeper c'est un produit à part, donc il faut connaître pas mal de choses, donc notamment combien de serveurs Zookeeper il faut mettre pour que mon architecture soit stable, etc. Parce qu'il faut un Chrome, etc. Ok. Donc on va indexer quelques données en fait rapidement. Pour vous montrer justement le côté base de données NoSQL. Donc ce que je fais, je vais le faire directement ici. Donc j'envoie un document JSON qui a comme ID Book 1, comme titre The Productive Programmer et comme auteur Neil Ford. Donc je l'envoie à ma base et vous allez voir qu'il n'est pas disponible tout de suite à la recherche. Donc hop, il est parti. Si j'essaie de le rechercher, j'ai zéro réponse. Par contre, si je fais un get, il est là, mon document. Donc ça, c'est le fameux transaction log. Donc c'est quelque chose que Elasticsearch a inventé, que Solar Cloud a repris. Et c'est le côté NoSQL. Donc mon document, il est bien sauvé, il est là. Bientôt, il va arriver partout, va être disponible pour la recherche. Mais comme mon timeout, il est à 5 secondes, je crois, ou 15, je peux faire un get lorsque je connais son ID, mais mon document n'est pas disponible pour la recherche. Et ça se trouve qu'il n'est pas disponible sur d'autres nœuds autres que celui qui l'a indexé. Bon, donc là, si je relance ma requête de recherche, je le trouve. Donc j'ai lancé une requête titre programmer. Et voilà, donc il apparaît, donc mon timeout était de 5 secondes. Donc il a suffi d'attendre un peu et ça se passe bien. C'est configurable, hein, donc on peut dire une seconde comme dans Elasticsearch si on souhaite. Maintenant, l'optimistic locking en fait. Donc qu'est-ce que c'est comme truc? Ça se présente un peu comme ça, moi j'ai fait un slide. Hein, parce que bon, j'avais pas de slide, en fait j'avais que la démo, mais je me suis aperçu que ça peut ne pas être très clair. Donc comment ça se passe en fait, c'est à l'applicatif de gérer le lock. Donc en gros, lorsque j'envoie un document à ma base, c'est à moi de m'assurer qu'entre temps il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a modifié le document et que je ne suis pas en train d'écraser ce qu'il a fait. Donc la base me permet de faire ça, et le mécanisme par lequel je peux faire ça, c'est un mécanisme de versioning. Donc j'ai un numéro de version sur le document qui peut être géré automatiquement par Solar ou qui peut être géré par moi-même. Et donc de manière applicative, lorsque je fais un update, je vais faire d'abord un get du document qui est dans la base, je vais le mettre à jour, donc c'est mon étape 2. Je vais l'envoyer à Solar, c'est l'étape 3. Voilà, ça c'est pour un... C'était pour un flyer. Je l'envoie à ma base, par contre en précisant la version que je suis en train de modifier. Donc là, je retiens le numéro de version qui était celui que j'ai obtenu lors du get. Si entre-temps, le numéro de version n'a pas changé, Solar il va me dire « tout va bien ». Ok, j'ai fait ce que tu m'as dit. Si quelqu'un d'autre a modifié mon document, le numéro de version ne va pas correspondre, et du coup, Solar va m'envoyer une erreur, et c'est à moi de dire ce que je fais. Est-ce que j'écrase ce qui est en base? Est-ce que je refais un get et puis je redémarre? Il y en a qui font une boucle de 1 à 10, et puis si jamais j'ai de la chance, ça passe. Voilà, mais c'est comme ça. Donc on ne peut pas mieux parce que voilà, il faut qu'on enlève des contraintes pour pouvoir être scalable. Chose que une base relationnelle ne peut pas faire. Donc, exemple, je l'ai fait avec delete hein, cette fois-ci. Donc je vais essayer de supprimer mon book 1
mais en précisant une version que j'avais récupérée lorsque j'ai fait un petit test. Donc la version, bien sûr, ne correspond pas, sauf miracle, mais... et voilà, donc ce que cela me répond, donc conflict, voilà, donc j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il y a un conflit en fait sur le numéro de version. Si j'envoie la bonne version cette fois-ci, je vais refaire mon get pour obtenir le bon numéro de version, que je vais mettre dans ma requête. Donc là, la requête elle est bonne. J'ai un 200 OK, mon document est supprimé, voilà, parce que j'ai précisé que c'est cette version que je veux supprimer, donc je suis bien sûr de moi. Et comment ça se passe? Donc j'ai plusieurs sémantiques hein, sur la version, c'est quelque chose même qui est spécifique à cela, je crois. Si c'est supérieur à 1, c'est que c'est exactement cette version-là que je veux supprimer. Si c'est égal à 1, ça veut dire que je veux que le document que je suis en train de supprimer ou mettre à jour existe. Si c'est inférieur à 0, c'est l'inverse, hein, je veux qu'il n'existe pas. Donc c'est notamment quand je fais un insert, je veux être sûr qu'il n'y a pas de document qui a le même ID. Et si c'est le cas, cela va m'envoyer une erreur. Et 0, c'est en fait, peu importe, je vais juste... envoyer l'action, voilà, je m'en fous de la version. Donc un peu comme cet exemple ici où je fais un delete sans préciser la version, donc là ça va deleter quelle que soit la version. Ok, toujours le côté base de données NoSQL, donc le update fonctionne aussi, donc là je fais un update, donc bon, je vais refaire déjà mon bouquin, je vais le remettre. Voilà, donc mon bouquin il est là, je l'ai là, donc il a juste un ID, un titre, un auteur. Je vais lui rajouter des colonnes hein, dessus. Donc je lui envoie un publication year et j'utilise la commande add, on va voir ce que ça veut dire. Je lui envoie un ISBN, j'utilise la même commande add. J'ai une commande qui s'appelle set, donc là, je fais set du ISBN et add de la catégorie programming. Donc set, ça écrase la valeur. Add, ça rajoute une valeur. Et contrairement aux bases... donc là, j'ai fait un... voilà mon document. Donc j'ai fait un set sur l'ISBN. Je l'ai mis à 1, 2, 3, 5 au lieu d'un 2, 3, 4. Donc le voilà ici, mis à jour. Catégorie programming, il n'existait pas, il était rajouté. Et si je renvoie la même chose en fait avec testing, attends, je pense que je l'ai là. Voilà, donc là en fait j'envoie un add testing et si je regarde mon document, donc le ISBN il a été bougé aussi. Je vois que j'ai programming et testing en même temps. Donc en gros, j'envoie deux valeurs pour la même colonne. Voilà, c'est quelque chose qui est possible dans Lucene. Donc c'est ce qu'on appelle un champ multivalué. Donc je peux envoyer une liste de valeurs pour un champ Lucene en général. Vous avez vu aussi en passant la commande inc, qui veut dire incrémente-moi le numéro quel qu'il soit. Donc c'est la base qui gère ça. Donc set qui écrase. Et il y a aussi le set null qui en fait enlève la... Donc c'est l'équivalent de supprime-moi cette colonne de ce document. Et d'ailleurs, j'ai supprimé l'année de publication. Voilà. Donc j'ai fini avec cette partie en fait base de données. Donc voilà, classique, create, update, read, delete. Avec les contraintes NoSQL, donc Optimistic Locking, gérer les versions côté applicatif. Est-ce que j'ai encore du temps? J'ai 5 minutes? D'accord. Je pense qu'on va arrêter là en fait pour la démo. Je vais vous montrer quand même un truc qui est assez sympa.
mais très très rapidement en fait. Donc j'ai fait un exemple de j'ai rajouté une colonne pour simuler une autocomplétion. Et juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pour ceux qui veulent faire de l'autocomplétion avec une requête like ou une requête prefix query ou bien avec un facet prefix, sachez que le plus performant c'est d'utiliser en fait Edge Ngram. Bon, pour ceux qui connaissent un peu mieux, c'est pas une surprise. Donc voilà, en fait, mon champ, j'ai juste ajouté des analyseurs dessus. Donc un moteur de recherche a trois fonctions, indexation, recherche. Donc ça fait ça très rapidement, de manière très performante. Et puis, analyse du texte. Donc le texte, en fait, il est analysé. Il y a plein d'analyseurs disponibles, en fait, qui viennent gratuitement, qui sont très, très complexes, en fait, dans leur implémentation, parfois. Si vous prenez par exemple ASCII Folding, donc c'est celui qui vous enlève les accents des lettres, c'est en fait, il y a plusieurs centaines de lignes de code, si pas milliers de lignes de code, voilà, parce que ça gère toutes les langues, ça gère toutes les transfos, voilà. Et donc, en fait, ici j'ai fait une analyse à l'indexation et une autre analyse à la recherche, voilà, donc c'est pour simuler un service d'autocomplétion, et notamment, en fait, la chose que je fais à l'indexation, c'est Edge Ngram, donc je découpe mon mot. Et je vais vous montrer en passant cette interface de l'interface d'administration de Solar qui vous montre en fait qu'est-ce qui se passe avec votre texte. En fait. Donc si vous démarrez avec Solar ou même avec... Il y a l'équivalent dans Elasticsearch aussi. Ça permet de comprendre comment le moteur fonctionne. Donc là, j'indexe le mot Céline avec C majuscule et E avec accent. Et cette interface me montre qu'est-ce qui se passe avec ce texte lorsqu'il est indexé. Donc, j'ai un white space analyzer, donc ça fait rien pour mon exemple. Lowercase, donc ça met tout en minuscule. ASCII Folding, ça m'enlève les accents. Et le fameux Edge Ngram, ça m'indexe ces tokens-là. Donc CE, CEL, CELI, CELIN, etc. Donc en réalité, lorsque j'envoie au moteur Céline, comme ça, ce qui est réellement indexé, ça va être ça. D'accord ? Et donc plus bas, en fait, j'ai fait la même chose. Donc on a deux cases ici qui normalement sont à côté, mais comme l'écran est petit sur le projecteur, ça se met l'un sous de l'autre. Donc je cherche CELI, donc je simule que je suis en train de saisir un champ et je veux l'autocomplétion. Et donc ce qui se passe, pour ce cas en fait j'ai rien, et en réalité ce qui va être cherché. Bon, là ce que vous voyez c'est un peu un autre exemple où j'ai activé le Edge Ngram, bon, c'est commenté ici, je l'ai activé à la recherche aussi. Donc lorsqu'il est activé à la recherche, lorsque je cherche CELI, en réalité, ce qui va être envoyé au moteur, c'est CE, CEL, CELI. Voilà, donc je risque de trouver d'autres termes que ceux auxquels je m'attends. Donc si je cherche par exemple CELIA, je vais avoir ces lignes qui remontent, tout simplement parce que CELIA, en réalité, ça équivaut à un CE, CEL, CELI. Ok, et je vais finir ma présentation, donc je vais passer vite sur ces parties-là. Deux mots sur Schemaless, il n'y a pas de Schemaless dans Lucene. Donc Lucene, par définition, il faut un schéma. Comment fait Elasticsearch, comment fait Solar, c'est deux approches différentes. Elasticsearch prend le premier document que vous lui envoyez et décide du schéma de vos documents. Donc il faut faire attention à ce que vous envoyez en premier. C'est pour ça que c'est schema free. Hein. Donc en général, il vaut mieux citer un schéma parce que vous connaissez mieux vos données. Et le premier document peut avoir un champ qui ressemble à une date, mais qui a une chaîne de caractères. Et du coup, vous êtes obligé de recommencer. Solar fait une approche un peu différente, définie de ce qu'on appelle des dynamic fields. Donc ce que vous avez vu dans mes exemples, je mets un underscore S, underscore I pour dire que c'est du string, du entier. Donc c'est des champs dynamiques. Je n'ai pas besoin de définir un type pour ces champs, mais le simple fait de mettre un underscore S, j'indique à Solar que ce champ, c'est de type string. Voilà, donc c'est une approche différente pour faire justement ce schema-less qui est très cher aux bases NoSQL.
Bon. Pour finir, avant les questions que vous pourriez avoir, j'ai fait en fait j'ai repris ce graphe de Google Trends, hein, donc c'est quelque chose que Didier Girard et Fisfer en général a l'habitude de faire. Hein. C'est pareil, c'est le même graphe pour Solar Tutorial et Elasticsearch Tutorial. Ce qu'on remarque en fait, vous voyez une croissance exponentielle d'Elasticsearch. Donc voilà, ça c'est juste l'état actuel. On va voir ce que le futur va nous amener, mais c'est quelque chose qui est passionnant parce qu'en fait on a tout le temps les deux produits qui essaient d'avancer. Et puis, depuis quand Elasticsearch existe en tant que société commerciale, il y a énormément de développement des deux côtés. Elasticsearch et Solar, donc ça avance très vite des deux côtés, ce qui est plutôt pas mal. Et puis donc, du point de vue d'une SQL, Elasticsearch a clairement l'avantage. Hein, donc c'est NoSQL since 2010. Hein. Solar, c'est seulement à partir de 2012. Et puis, par contre, Lucene, là, c'est un peu égalité, hein, je dirais. Par l'histoire des deux projets. Ok, on a le temps pour quelques questions. Minutes, donc bah, éventuellement tu donnes ton Twitter pour que les gens puissent te contacter et te poser des questions. Si vous